les gens, c'est Drag Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau trailer pour le mercredi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler du trailer de Far Cry 6 qui sort le 7 octobre. Alors oui, alors dans peu de temps, je sais, mais je voulais venir parce que il y a un nouveau, une nouvelle vidéo qui est sortie. Et je voulais vous le faire partager parce que c'est vrai que moi j'étais clairement, j'ai fait tous les Far Cry 6 et j'espère que ce Far Cry 6 va me plaire parce que clairement je sais pas ce qu'il va donner. Et c'est vrai que bah, après le 5, après New Dawn, je sais pas ce qu'on peut en penser, mais clairement j'espère qu'il sera cool. J'espère que je pourrai faire un live, voire plusieurs lives dessus. Je sais pas si je pourrais me le prendre dès sa sortie, mais je sais que pas mal de monde vont se le prendre et ça, c'est cool. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un petit commentaire. Et je vous laisse en compagnie de la vidéo. Je coupe ma micro, mon son et on se retrouve à la fin de la petite vidéo. You listen, Rule 16, the Guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, Wapo? This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Not bad, Danny, but we're just getting started. Rule number one, guerrilla is a hidden guerrilla. Muerto el perro, se acabó la rabia. We lead our operations in secret camps across the country. Here, guerrillas live, kaboom! Train, and plan. Small pack. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. By smuggling in supplies, you'll add some piss and fire to our movement. You got that right. Camp chef, black market dealers. These safe havens got everything a guerrilla needs. Even do-it-yourself vehicles. You're gonna love it, Danny. Rule number two. A good guerrilla masters their environment. This land is your home, Danny. I'm sure you know every inch of it. From the bloodthirsty jungles, postcard shorelines, the dead-end towns, and our friendly capital city. How you get around is up to you. Good girl. If you want to play it safe, take our secret paths carved in the dirt of old revolutions. Hola, Danny. How you doing? Or take a risk and operate in plain sight of Castillo's assholes. Go ahead and hide your weapons to blend in. Bribes. What do you got? Mm-hmm. Sabotage. Interceptions. You don't always need to be a loudmouth, Danny. Christmas trees? Do you even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How you think El Presidente funded Maria's new face? Okay. Go through. Rule number three. Fucked up situations call for fucked up solutions. Hey, he's not here. You expected reinforcements, I got... You're an army of one against an army of thousands. And when shit gets real, we make use of whatever we have. We call that resolver. That means absolutely everything from sardine cans, goddamn batteries, to old motorcycle engines have been built into equipment. And some very unique, deadly weapons. Fucking talking. This, the Supremo backpacks.
handcrafted by yours truly. Each one will make you feel and fight with the power of a goddamn guerrilla army. Give me lip, I'm a sweet bitch in the yard. Get a stick, make a switch. I end the conversation real quick. I am cracked, I ain't lying. You and I both know. You want this. For a guerrilla. For a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush. The taste of sweet victory after you freed your people from tyrants. It's fun. Alors, ok. Alors là, clairement, la règle finale. Je vais vous laisser avec la règle finale. A good guerrilla always brings a friend along for moral support. Voilà. Donc voilà Wally Walou. Donc comme vous l'avez vu, bon petit trailer. Clairement, il y a vraiment pas mal de choses. Et j'étais en train de remarquer que c'est une femme qu'on va jouer. C'est une femme. Ce n'est plus un mec. Alors je sais que sur les anciens Far Cry, on pouvait choisir normalement. Mais c'est vrai que par exemple Far Cry New Dawn et le 5, on pouvait choisir soit une femme, soit un homme. Et c'est vrai que les anciens, donc le 4, le 3, on avait surtout le choix pour un mec. On n'avait pas le choix d'autre chose. Mais là, c'est vrai que si on n'a pas le choix et que c'est une femme, c'est vrai que ça change. Ça peut changer. Et vu le nombre d'armes, le nombre de véhicules, le nombre de trucs qui fait boum, clairement, ouïouïouï. Clairement, si on peut avoir des animaux de compagnie comme le croco qui m'a fait faire comme ça dès la première minute, chez what? Alors, la dernière règle, je voulais laisser parce que bon, je l'avais déjà vu moi le trailer, mais c'est vrai que la dernière règle et la finale, un soutien moral avec le chien. Alors, faut avoir l'édition complète. Ça, pour le 5, je crois qu'il faut pour la dernière règle finale, je crois bien que c'est l'édition complète. Alors après, je dis ça, mais je sais pas si c'est ça ou quoi. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui rajoutaient dans le 6 en édition complète. Et je sais pas si... Je pense que je vais me le prendre. Faut que je voie avec des personnes, parce que si on peut jouer à plusieurs, clairement, ça peut être clairement pas mal. Parce que clairement, cette oh, and the final rule. Cette cinématique du dernier, il est tellement mignon. Je vous laisse avec ça. Il est trop beau. C'est un petit chien sur roulette. C'est trop mignon. Je craque. Clairement, le jeu a l'air super. Le nombre de véhicules. En plus de ça, on peut avoir un jetpack, on peut avoir des lance-missiles au dos, on peut avoir un lance-flamme. Le nombre d'armes, et clairement, il y a des armes qu'on a vues dans Far Cry 5, dans Far Cry New Dawn. Alors, New Dawn, moi je les appelle les armes primitives, parce que clairement, ce sont des armes constructibles. Clairement, c'est du gros n'importe quoi. Le jeu a l'air énorme. Je vais essayer de trouver en même temps la map. Je vais vous la poser maintenant. Je vais la laisser ici, si normalement tout va bien. Mais clairement, le jeu a l'air super. Au niveau des plages, au niveau de l'environnement, ils ont vraiment l'air d'avoir fait un truc énorme. Donc, je vais voir, je vais essayer de trouver la map. Vous me direz en commentaire si vous allez le prendre ou pas. Moi, je pense que je vais le prendre et je verrai si je fais des lives. Mais clairement, le jeu a l'air complètement pété. Complètement. Le crocodile qui m'a fait peur dès les premières minutes. Les chars, les armes, les explosifs. Il y a tellement de trucs. Ça a l'air pété. Ça a l'air complètement pété. Donc, je vais vous laisser avec. Donc, je ne sais pas si j'aurais trouvé ou sinon... Vous finirez sur une image de chien qui est clairement mignon, à croquer clairement. J'ai hâte qu'il sort donc au mois d'octobre, le 7, si je ne me retrompe pas, vous regarderez la rediff.
la vidéo. Mais normalement, c'est le 7 octobre. Donc, j'espère que vous amuserez. Moi, j'espère qu'il sera en co-op. Parce que j'ai vraiment envie de le tenter en coop, celui-là, parce qu'il a l'air vraiment sympa. S'il n'est pas en coop, pas grave, mais s'il est vraiment en coop, ça serait vraiment super. Je vous laisse là, j'espère que ce petit trailer vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Passez